Je réponds au nom de Isaac Makando Kondola, de nationalité congolaise. Et je suis le président de la communauté congolaise. C'est en ces titres et qualités que j'ai pris part à ces merveilleux événements qui est la semaine africaine organisée par la très prestigieuse université euro-méditerranéenne. Eh bien, je ne peux pas manquer de dire que cette opportunité, c'est vraiment une opportunité vitale pour la communauté africaine en général, subsaharienne tout comme maghrébine et marocaine, histoire que nous puissions tisser de liens, de fraternité, histoire de voir ensemble comment nous pouvons bien sûr débaucher sur des opportunités de carrière, des opportunités d'affaires, des formations qui vont enrichir les relations bilatéraux entre nos différents États. Et donc là, nous avons un peu exposé certains éléments de notre pays pour voir aussi, au fait, quand on parle du Congo, on voit des éléments tels que la sapologie et plein d'autres. C'est quoi exactement? Donc nous avons un peu essayé d'exhiber cela. C'était avec un énorme plaisir, vous avez vu au niveau de stand, avec tous ces éléments. Donc c'est un peu ça en gros. Et je remercie la participation de toutes les autres communautés, mais aussi de la CESAM par ses animateurs, notamment le président de la CESAM. Et je finirai par dire merci également à vous pour, en tout cas, ce travail si professionnel que vous êtes en train de faire. Donc c'est un peu ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Je m'appelle Kenza Zaki, j'ai 20 ans et je suis étudiante en troisième année d'architecture ici à l'EMA 2. Alors ici, aujourd'hui, on est venu représenter le club de la culture amazigh. Donc la culture amazigh, c'est une culture que j'affectionne beaucoup et c'est la culture de nos ancêtres, c'est nos racines, je pense que c'est très important d'en parler de la faire revivre parce qu'on a l'impression qu'elle est un petit peu en déclin. Je m'appelle Framba Kondé. Je suis étudiant de la deuxième année en réseau télécommunication à l'École supérieure des technologies de Fès. Et nous remercions très sincèrement Euromed de nous avoir offert aujourd'hui l'occasion de venir exposer un peu nos cultures et nos objets de valeur, notamment la Guinée. Je tiens à noter que la culture guinéenne est diversifiée parce qu'on a quatre grandes régions naturelles chez nous et chaque région a sa particularité, que ce soit des textiles, on a des textiles comme l'épi, la forêt sacrée et beaucoup d'autres textiles qui sont très très valorisants comme le bassin. Et à ce qui concerne la danse, on a des diverses danses, et que ce soit Tumbusese et Dundumba et assez de choses, parce que la Guinée d'abord est un pays de multiculturel, on a assez d'origines, on s'est retrouvé dans le même pays et c'est ce qui fait la beauté de ces pays, que ce soit dans les danses, dans les chants et que dans les nourritures même, et on en a assez. Je suis Roboti Manzimbadi en junior, étudiant à l'école d'ingénierie biomédicale ici à l'université Euromed de Fès en première année classe préparatoire. Et je vais vous présenter mon beau Gabon sur son aspect traditionnel. Je vous dis d'abord Mbolo Samba, ça veut dire bonne arrivée. Ok, d'accord, là ici nous avons un masque gabonais. Il faut d'abord tout d'abord savoir que le Gabon c'est un pays de 1 500 habitants et environ, et nous avons une très grande diversité de cultures. Nous avons près d'une 53 races, on peut dire, 53 ethnies, on appelle ethnies. Donc imaginez-vous un peu ce métissage culturel au sein d'un tout petit pays. Donc c'est vraiment formidable. Ici, parmi l'un, on peut dire qu'au Gabon, il peut avoir 300 masques. Nous avons ici un masque d'une ethnie qu'on appelle Omiyenin. Omiyenin. Hein? C'est ce masque-là. Au Gabon, on le prend dans les cérémonies. Mais sinon, normalement, ce sont des entités de la forêt qui les portent. Et ces entités ne restent qu'en forêt. Lors d'une cérémonie, lors d'un mariage, lors d'un décès, lors d'un problème du village, parce que nous, dans nos villages, on peut dire que les problèmes, on les règle à notre façon, à la façon africaine. Et on appelle ces entités, on fait appel à ces entités. Elles viennent et elles sont très formidables parce qu'elles peuvent faire des choses qui relèvent du paranormal.